Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut Biblique Belge. Jusque maintenant, Pierre nous a parlé d'un salut qui est glorieux, qui est magnifique et auquel on peut avoir accès grâce à Dieu lui-même par Jésus. Et il nous a dit qu'on peut vraiment s'en réjouir profondément, et ceci même si on fait face à des épreuves, des difficultés. Et il a dit que c'est sûr et certain que ce salut, les croyants vont avoir accès à ce salut dans le futur. Mais si on fait face à des difficultés ou à d'autres choses, comment est-ce qu'on peut être sûr de ce qu'on est dans la vérité? Comment est-ce qu'on peut être sûr que ce salut va nous être accordé? On peut faire face au doute en tant que chrétien si on entend des affirmations dérangeantes de certains scientifiques, ou si on fait face à la souffrance, ou pour d'autres raisons. Voici ce que Pierre dit en 1 Pierre 1, des versets 10 à 12, pour rassurer les croyants et pour les encourager, dire qu'ils sont vraiment dans la vérité et qu'ils peuvent se réjouir dans le salut, dans ce salut. Ce salut, les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était destinée en ont fait l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont appliqués à découvrir quelle époque et quelles circonstances désignaient l'Esprit du Christ qui était en eux. Esprit qui d'avance attestait les souffrances du Christ et la gloire qui s'en suivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient ministres de ces choses, qui maintenant vous ont été annoncées par l'entremise de ceux qui vous ont communiqué la bonne nouvelle avec l'Esprit Saint envoyé du ciel. C'est en ces mêmes choses que les anges désirent plonger leur regard. Dans ces versets, on voit que les croyants sont vraiment privilégiés et qu'ils ont de quoi être rassurés de ce qu'ils sont dans la vérité. Les prophètes de l'Ancien Testament ont fait l'objet de ce salut, en ont fait l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils se sont efforcés de découvrir quand le Christ allait venir, dans quelles circonstances, eux qui savaient d'avance que ce Christ aller souffrir et aller entrer dans sa gloire après. C'est ce qu'on voit dans Ésaïe 53 ou Ézéchiel 34, Jérémie 31, Daniel 7 et bien d'autres passages. Et grâce à ces écrits, on peut vraiment avoir l'assurance de ce que la foi chrétienne est la vérité, de ce que si on est croyant, on n'est pas dans l'erreur du tout. Et puis vous avez remarqué aussi l'immense privilège que nous avons en tant que croyants. Parce que ces mêmes prophètes n'étaient pas ministres de ces choses pour eux-mêmes, mais pour les personnes qui viendraient après Jésus et qui allaient entendre la bonne nouvelle. Et en plus, les anges désirent eux-mêmes plonger leur regard dans ces choses. Si vous avez des doutes par rapport à Jésus en tant que Christ et tout ce que cela implique pour vous, je vous encourage à lire Ésaïe 53, ou un autre passage vraiment clé, mais Ésaïe 53, pourquoi pas, et aussi lire un évangile après, pour découvrir par vous-même. Et si vous passez par des doutes, par des moments de doute dans votre foi, à cause de certaines affirmations, ou à cause de la souffrance, ou d'autres raisons, tenez ferme dans ces vérités que nous avons vues, parce que Jésus est vraiment le Christ qui était promis à l'avance, et que c'est par lui qu'on peut être sauvé. C'est dans cette vérité, c'est cette vérité qui est le roc dans notre détresse, dans nos doutes. C'est cette vérité qui nous donnera une joie profonde alors qu'on passe par des épreuves.